des parents en fond, pour mettre des portraits des enfants, quoi. Des enfants plus mal. Ugnayan is Tavern Gutenberg's first international art residency program in the Philippines. From October to November 2017, Maya Dabouville and Henri Lamy, together with visual artists Shafi, Abdul Sek and Alexandre Beretta, organized 7 workshops for street children, 8 art events, 8 artists meet and greets. Derenga means hospitality in Wolof, one of the main dialects in Senegal. C'est la fête, quoi. Tout le monde, dès la première personne qui me voit, il va appeler les autres. Donc, ils n'ont pas l'habitude, quoi. Et puis, ce qui me fait plaisir, c'est pas des regards méchants. Ouais, mais c'est, ils sont pas habitués, quoi. C'est ça, quoi. Flower, ok. This. Ok, quoi, bravo, ok. Je ne fais pas que là. À Lyon, je travaille comme chauffeur camion. Mais j'ai poussé mon patron pour qu'il me laisse un congé pour que je puisse venir. En France, c'est un pays de large. Pourquoi pas de ne pas tenter ma chance là-bas. Et comme ça, j'ai rencontré Henri. À chaque fois, je venais à la mosquée, à côté de la taverne. J'ai parlé avec Henri, je lui ai montré mon travail. Et du coup, il m'a dit de venir, quoi. C'est comme ça, c'est parti. Vous n'avez pas quelque chose à couper? Tu connais le saut, oh bébé! No way! Oh. I'm sure Aki Don and everyone has introduced our amazing artist friends, and they're going to help us to create amazing art from Bussoura. J'ai vraiment appris beaucoup de choses avec les enfants, et ça me fait plaisir aussi de partager ma connaissance avec les enfants. On a fait l'atelier de Tondo. Et puis là-bas, à Tondo, tu vois les enfants, peut-être, ils manquaient d'affection et tout. Ils sautaient sur nous et tout. Moi, ça m'a beaucoup marché, quoi. Même j'ai vu un enfant que là-bas, j'aimerais bien même l'adopter, quoi. À chaque fois que je me réveille le matin, je regarde son photo. Vraiment, ça me touche au cœur, quoi. Je ne sais pas c'est quoi, mais à chaque fois que je le regarde, c'est l'enfant qui prononçait tout le temps mon nom. Dès qu'il m'a vu le deuxième jour, il a prononcé mon nom, ça m'a beaucoup frappé, quoi. J'ai le même passé. Avant, il y avait, quand j'étais à l'école, il y avait des Français qui amenaient des trucs et tout. Quand ils voyaient mon travail, ils disaient que lui, c'est un futur artiste. Ce qui est en ce moment. Et donc, je vois beaucoup de gens avec leurs connaissances et tout. Donc, mon art aussi, ça peut leur aider, quoi. À leur donner un voix. Au musée des enfants, il y avait un adolescent de 15 ans, ça fait, on a fait presque 15 minutes, il n'arrivait pas à mettre même pas un point du pinceau. Et là, j'avais vu que lui, peut-être, il a un problème qu'il a peur d'exprimer, quoi. Par rapport aux enfants en France et tout, les enfants là-bas, ils s'expriment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus.
L'autre jour, il y avait les enfants au musée qui me posaient une question. D'où je viens aux États-Unis? Je lui dis non, moi je suis africain. Et tous les blacks africains, ils viennent de l'Afrique. Déjà, ils ne connaissaient pas l'Afrique. Et c'est une partage, quoi. De voir aussi, de faire voir les enfants à travers ma culture sénégalaise, en tant que ma culture africaine. Parce que là, ça, ce qui me fait encore plaisir plus, c'est qu'ici, je vois que l'art africain, ou bien, ils ne connaissent pas l'Afrique, quoi. J'avais regardé des documentaires sur les Philippines avec le nouveau régime et tout. Au début, j'avais peur. Parce que même Maya, elle a insisté pour que je reste 2 mois. Je lui ai dit non, non, seulement 1 mois après, je retourne à mon travail. Mais là, arrivé aux Philippines, vraiment, j'ai regretté de ne pas rester les 2 mois. Je lui ai dit à Maya, et elle a tellement rigolé, mais j'ai regretté quoi, de ne pas rester les 2 mois. We have, they call them items for the... original Philippines. C'est la première fois que je vis dans un pays anglophone. Le peu que je parle en ce moment-là, je ne l'ai jamais fait dans ma vie. Je n'ai jamais parlé 2-3 phrases en anglais. Mais depuis que je suis venu ici, là, parce que là, quand on est en difficulté, on est obligé de parler, quoi. Quand je vais acheter quelque chose, de truc à manger, comme je mange barre du porc, j'essaye de gesticuler avec les gens pour les expliquer, quoi. Chose qui n'est pas facile. Parce que ici, tout le monde parle anglais. À part l'anglais, il y a le tagalog que je ne parle pas. Mais heureusement aussi, il y a Maya toujours qui est à côté de moi, qui essaye de me traduire ce qu'on dit. Quand on a visité le vieux fort de Mani, il y avait toujours Maya qui était à côté de nous expliquer, d'essayer de nous traduire ce que disait le guide, quoi. Où on part, tu sens comment ils sont accueillants. Et nous, au Sénégal, on dit le Sénégal, c'est un pays de teranga. Le teranga, ça veut dire l'hospitalité. Donc moi, je me retrouve chez moi-même, quoi, avec l'hospitalité philippine. Au niveau du bouffe, je ne me sens pas trop dépaysé. Si je parle aussi sur le climat, sur les gens. Donc vraiment, je me sens chez moi, quoi. Ouais. Continues. Click for next episode.